Salut à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Bon, cette vidéo à la base elle était vraiment pas du tout prévue, c'est juste que là je reviens du ski et pendant 2 jours je me suis filmé sur les pistes avec une petite caméra d'action. Donc de base je devais vraiment pas du tout en faire une vidéo, c'était juste pour moi. Et quand je suis revenu j'ai vu les images et je me suis dit que ça pourrait être cool de vous les partager. Bon par contre je m'excuse vraiment pour la qualité de l'image et du son, c'est avec une ancienne GoPro donc c'est vraiment pas ouf. Mais voilà, j'espère que vous aimerez quand même la vidéo. Et donc vous allez voir un peu un best-of des meilleurs moments sur 2 jours sur les pistes. Donc voilà, on commence direct avec une séquence qui se passe au snowpark. Donc on y va. Tu passes en premier ou tu passes? Comme tu veux. Vas-y, j'y vais. Merci mec. Ok, comme ça je t'ai d'en bas. Je suis une tachite. Ah oui, bien sûr. Et bah si vous voulez. Vas-y. J'ai peur d'arriver trop vite. Eh, on verra, hein. Eh, one life. Hein. Ouf. Oh là là, j'ai mal rien qu'en revoyant la vidéo. Vous avez vu, le prof, il était content, il a sorti un hier en mode ouais, c'est bon, il n'y a pas de raison, tu tombes. Et moi je me suis éclaté, en plus je me suis fait vraiment mal au poignet, hein. Je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais mon poignet il a tapé fort contre la neige, et en plus on est au snowpark, donc la neige elle est bien dure en dessous des bosses pour qu'on atterrisse. Donc au début j'avais un peu peur, j'ai cru que c'était cassé ou quoi, parce qu'en snow c'est assez souvent que les gens se cassent le poignet, donc j'ai été tranquille toute la matinée après. C'est trop chaud, hey, je me suis éclaté à la fin. Genre je l'ai pris bien, et à la fin j'ai fait, en fait j'ai tourné je crois. Ma planche elle a... Ah j'ai pris tes poignets juste. Mais je sais pas en fait, ma planche elle s'est... Il y a un côté qui est sorti du truc. Avalanche. Oh. On fait une avalanche. Allez, on y va! Pas de problème. Ah putain, je suis mort. Allez, c'est parti. Bon, dans cette vidéo, il n'y aura pas vraiment de plan où on voit vraiment faire du snow sur les pistes. Vous voyez, ça rend pas bien, ça tremble, j'ai mes bras qui passent devant et tout. Donc, c'est pas top. La seule solution que j'ai trouvée, ça aurait été de prendre une caméra 360 où là, on verrait bien tout mon corps, le snow, même la piste. Peut-être pour une prochaine fois. Un petit 180 dans la bosse. À toutes. À toutes. Donc là on m'entend dire je vais mettre un petit peu de vitesse. Donc en gros faut savoir que c'est la même matinée où je m'étais fait mal au poignet. Donc j'avais été assez tranquille le matin, j'avais pas pris trop de risques. Donc là avant de manger je me suis dit je vais me faire un petit ski, je vais mettre un petit peu de vitesse, voilà. Je vous laisse voir. Un peu de vitesse. Ça va, j'ai rien. Heureusement que j'ai le casque. Oh les lunettes quoi. Oh putain, je me suis pris une bonne chute là. Ouf. Heureusement que j'ai le casque. Hein. Ma tête elle a tapé. En fait, j'allais hyper vite et je me suis pris une plaque de verglas.
J'ai eu de la chance, je suis pas tombé sur le poignet où j'ai mal. Bon, là, on n'entend vraiment rien, donc je vais vous dire un peu. Donc là, il est en train de me dire qu'il était juste derrière moi, il m'a évité, et qu'en gros, il n'arrivait pas à tourner sur la gauche ou sur la droite, parce qu'on le voit sur la vidéo, je vais d'abord à gauche, et ensuite, je vais en arrière, et c'est là où je tourne. Donc c'est pour ça qu'il a hésité un peu, mais il dit que c'est passé vraiment proche. Moi, je ne l'ai pas trop vu sur le moment même. En même temps, je me suis bien pris une bonne gamelle, là. Donc voilà. Putain, j'ai eu peur. Non, même pas. Ma tête, elle a tout pris, en fait. En fait, je pense que mon cerveau, il s'est tellement dit « passe en poignet, passe en poignet ». Bon, heureusement j'ai ma dorsale, du coup ça a absorbé et ma tête aussi. Bon, en tout cas, s'il n'y avait pas de casque, je me serais fait mal. Allez, à toi. Ouais. C'est le point positif. Quand on tombe, au moins on l'a ciblé. C'est le seul point positif. Bon, allez. On va rentrer tranquille, manger. Par contre, des forces. On va le savoir. Ah, je t'avoue, je suis chaud de la retenter là. On va la voir cette putain de box, on va la voir! Là, je t'avoue, je vais y aller tout doucement. J'ai dit ça, j'en ai quand même bourré encore. Lui là? Ouais. Sans casque? De toute façon, quand t'es sans casque en général. Ouais. Mais bon. Il y a un petit d'une. Voilà. Moi j'ai peur. On peut pas garder. Je vais la refaire, je pense. Donc là je reviens ici. Mais ouais, mais faut vaincre ses peurs dans la vie. Sinon on la refera. Tu sais que j'ai dit ça juste avant. J'ai dit one life. J'ai dit j'ai qu'une seule peur, ouais. Vous allez trop vite. Et j'ai dit eh vas-y one life. Et bah j'ai été trop vite. Allez, on va la voir ce saut. Et sans tomber, tout le monde. Ouais. Dans l'axe, là-bas, tout à part en couille, je vais faire la pompe. Et au moins, je vais pas. Allez, dédicace à moi. Allez, c'est mon moment. Let's go! Hop là, pause en plein milieu, vous avez le seum, je sais. En gros, là, j'ai dit, s'il le fait, il est chaud. Je dis ça parce que c'est Michel, donc c'est celui qui m'a évité de juste être tout à l'heure. Il a 65 ans, donc il est sur un snow, il fait du ski comme ça à 65 ans. Il est très très chaud, j'espère que je serai comme lui à son âge. Et puis, bah, je vous laisse voir son saut. Ah, il a fait moi ce matin. Ça va ? Ah là là, en vrai, il a dû se faire mal. Et en plus, c'est pas fini parce que il y avait une autre petite box que moi je passe après, donc elle était plus simple. Et il s'est pris vraiment une grosse tôle, hein. Mais je l'ai pas à la caméra, c'est dommage parce que je venais juste d'arriver. Mais en fait, bah, il est carrément à l'envers. On voyait sa tête, elle a failli taper contre la box, donc c'était vraiment dur. Et puis moi aussi, oh là 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 là, j'avais envie de rigoler, je me retenais de rire. Regardez par rapport. Ah, c'est vraiment trop stylé. J'aimerais trop faire ça en vrai. C'est bien. Mais du coup, t'es en ski? Ah non, moi j'ai vu l'été. Ah. Et tu peux le faire en snow, ça, tu crois? Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, même sans savoir faire du ski, c'est juste pour glisser quoi. Ah ouais. Ah ouais, tu t'es bien vissé. Ah, elle était belle celle-là d'un coup. Allez, on y va. Faut juste faire des beaux virages, c'est ça? J'ai pas écouté. On dirait, il est débutant là. T'as vu l'autre, il part à tout bras et nous on est là à faire le virage. Viens, on fera un tout droit. Wouh, let's go! Have a break.
Have a Kit Kat. C'est vrai qu'il faut ça en Bretagne. Une sorte de thérapie par les arts. Ouais, pas sûr du truc là. C'était vraiment un crack ce prof, c'était trop drôle. Et donc voilà les gars, j'espère que vous avez aimé ces petits moments au ski. Franchement, je trouve que la vidéo elle était cool, je sais pas ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à mettre votre petit like, ça fait plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao.